Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée des pays d'Afrique. Avant de commencer, nous tenons tout de même à vous rappeler que ceci est une vidéo juste à titre informatif et non pour inciter les gens à la haine. Raison pour laquelle nous allons vous prier et vous demander de rester courtois dans les commentaires. Alors, le procès des événements du 28 septembre prend une nouvelle tournure. C'est au tour de Ben Youssouf de passer à la barre pour dire sa part de vérité. Alors, ce dernier qui était au stade avec son épouse confirme que son témoignage sera effectif à la barre même s'il n'a pas encore donné une date. Et celui-ci affirme qu'il a pu identifier certaines personnes très très clairement. Alors, on comprend que le témoignage de Ben Youssouf sera donc le témoignage qui permettra à Touma Diakité de sortir librement de la prison et enfoncera davantage Dadis Camara, car nous savons que ce procès s'est transformé en un procès de Touma contre Dadis Camara. Si Dadis est libre, c'est que Touma est coupable. Si Touma est libre, c'est que Dadis Camara est coupable. Donc, le témoignage de Ben Youssouf sera donc la goutte d'eau qui doit déborder le vase et entraîner Dadis Camara au fond d'une cellule. Tandis que Touma pourra se réjouir car depuis le passage des leaders politiques au stade, Touma ne fait qu'être blanchi et est en train enfin de voir un soleil qui brille tout droit vers la liberté. On comprend donc que vérité a pu être établie sur ces événements du 28 septembre. Eh bien les amis, c'est ici que prend fin ce petit bulletin d'information. Restez abonné, scotirez la chaîne. Partagez avec vos amis, famille, reconnaissance, si vous la trouvez notamment intéressante. À très bientôt.